Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a été élu le 31 décembre 2014 par le Congrès, est entré en fonction ce jour. Cela faisait donc bien 3 mois que ce gouvernement sans tête expédiait les affaires courantes. Une élection où 3 absences sont à remarquer, Gilbert Huyénon, Sonia Baquès et Bernard Deladrière. Par 6 voix sur 8, Philippe Germain de Calédonie Ensemble a été élu, s'appuyant donc sur les voix indépendantistes, vive réaction dans le camp loyaliste. Philippe Gomès a refusé toute discussion avec les autres loyalistes. Il a fait le choix de discuter, de faire des tractations dans le dos des Calédoniens avec les indépendantistes, alors que nous avons lancé plusieurs perches, directement, indirectement. Des appels ont été faits à Philippe Gomès. Il a refusé toute discussion avec les loyalistes. Si les indépendantistes ont choisi le président de ce 14e gouvernement du côté de Calédonie Ensemble, c'est que les points de convergence étaient plus nombreux sur les dossiers miniers et fiscaux notamment. Sur l'élection du vice-président aussi, ce sera Jean-Louis d'Angleberme de l'Union calédonienne. Pour Dewe Gorodé, cette double élection reflète d'abord la démocratie. L'élection donc de Philippe Germain à la présidence et de Jean-Louis d'Angleberme à la vice-présidence n'est que justice parce que ce sont les partis qui ont recueilli donc le plus de voix aux dernières élections, comme l'a dit d'ailleurs le président Germain. Et c'est très démocratique. 4 ans après l'alliance, RUMP-UC, c'est au tour de Calédonie Ensemble d'aller chercher une majorité auprès des indépendantistes. Une alliance qui pourrait bien avoir raison des deux blocs historiques, à commencer par l'éclatement du camp loyaliste.